Voilà, bonsoir à tous et à toutes. Je suis désolé, j'ai eu un problème avec Fraps. J'ai voulu enregistrer le début de l'épisode. J'ai enregistré comme d'habitude. Oh là, c'est la fête. J'ai enregistré comme d'habitude et en fait, je suis mort et je vais remourir. Je suis mort et donc j'ai fui à peu près comme maintenant. Et je suis quand même mort, donc me revoici à mon point de spawn en coordination avec l'explosion du creeper, n'est-ce pas merveilleux? Je suis donc à mon point de spawn et j'aurais jamais cru attaquer une araignée à main nue, c'est génial. Et donc je vais retourner là où je suis mort pour aller récupérer mon stuff. Voilà. Donc à mon souvenir, j'étais parti par là. Voilà, comme je l'avais dit, normalement, je ne... Oh, punaise. Normalement, je n'allais pas vous faire voir mes retours entre le spawn et le dernier endroit où je suis mort. Mais bon, ici en l'occurrence, vous avez raté pas mal de la vidéo, donc... Enfin... Donc voilà, donc... Je recommence, normalement c'était par là, si je ne me trompe pas. De toute façon, je devrais voir la grande colonne, j'espère. Ce serait dommage quand même de tout perdre déjà. On va se faire de la bouffe parce que je me suis fait avoir, j'en avais pas assez. Alors, c'est dommage quand même que vous ne l'ayez pas vu parce que c'était relativement catastrophique, comme un gamin qui fuyait. C'était génial. Je me suis fait courser par des creepers. À un moment donné, j'étais face à deux araignées, un creeper et un squelette qui me tirait dessus au loin. C'est génial. Donc voilà, c'est assez dommage que vous ne l'ayez pas vu. Donc cette fois-ci, je n'ai pas oublié, j'ai mis un chronomètre. Oui, qu'il faut d'ailleurs que je vérifie de temps à autre. Sinon, c'est pas génial. Donc j'espère être parti normalement dans la bonne direction, sinon ce serait un petit peu ridicule. Je pense bien que oui. J'espère. Ce serait vraiment con en tout cas. Je commence à douter tout doucement en fait. Hop là. À douter, je vais ce que je vais faire, je vais reprendre un peu de cobble pour vérifier ma direction. C'est un peu lent, désolé. Ah oui, évidemment, c'est vrai. Et voilà. Commence à faire passer pour un idiot, c'est super. Donc, ben, on va aller tout droit. Je pense que j'étais passé par là. Je me voyais bien nager ici dans l'épisode précédent. Ah oui, là voilà. Parfait, parfait, parfait. Donc voilà, je vais aller récupérer mon matériel en espérant qu'il n'ait pas disparu. Et puis voilà. Avec un peu de chance, il y aura aussi tous les zombies et tous les creepers. Ah non, c'est vrai, les creepers ne disparaissent pas non plus. Ah, oh, zut, il va rester tous les creepers et toutes les araignées. C'est génial. Enfin, j'espère qu'ils auront disparu au moment où j'ai repopé. En espérant ne pas me faire suivre, ce serait dommage. Donc forcément, dans la panique, j'ai eu le temps tout de même de me crafter un arc avec les fils que j'ai récupérés sur une araignée. Donc j'ai un arc et des flèches et il y a une araignée quelque part, mais je ne sais pas où. Punaise, j'espère que j'aurai le temps de récupérer tout mon matériel. Ce serait vraiment dommage. Ah. Ouais, parfait.
Vous pouvez voir, c'était la fête. Ça a pété, ça, tout ce qu'on peut imaginer. Voilà, c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. On récupère tout. Oui, j'ai pas assez de place, évidemment. Mon casque qui est presque... presque terminé, donc je vais manger histoire de pouvoir récupérer tout le reste. Et me faire un max de cochons en espérant les trouver. Je vais peut-être me faire une armure digne de ce nom, ce serait peut-être pas plus mal. Et nous sommes déjà à presque 6 minutes. C'est super. Donc encore une fois, je suis désolé, j'aurais bien voulu vous montrer tout ça. Mais bon, au vu du bordel auquel j'ai eu droit cette nuit, j'espère que toutes les nuits ça sera pareil. Ce serait génial, ça mettrait du piment dans l'aventure et ce serait excellent. Ça me permettrait aussi de récolter pas mal de trucs. Ouais, j'ai plus de place non plus, c'est super, on va jeter le sable, on s'en fout. Qu'est-ce qu'on peut jeter? On peut jeter la terre, hein, facilement, voilà. Qu'est-ce qu'on peut jeter d'autre? Pour l'instant, rien du tout, je vais garder le sable là. Bah, on va rester là, et j'ai récupéré, je suis bête. Voilà, bah tant pis. On va en rester là. Je vais aller voir s'il n'y a pas une vache ou deux. Et sinon, je mettrai les voiles vers d'autres horizons. En tout cas, continuer vers ma trajectoire de nez. Je suis désolé, je m'arrête beaucoup. Ah bah, voilà, à mon avis, ça vient de se spawner ici. Je suis désolé, je m'arrête beaucoup, mais je ne suis pas encore habitué au fait de parler tout seul en jouant. C'est assez compliqué. Enfin, sauf pour ceux qui ont l'habitude, évidemment, mais moi, je n'y arrive pas encore complètement. Et donc, j'ai encore un peu de mal. Mais il ne faut pas m'en vouloir, ça va venir. L'habitude va venir tout doucement, tout doucement. Donc, encore un petit peu de vache. Oui, non, peut-être. Non. Non, tant pis. Donc... donc le nord est par là, donc je vais par là. Hop, comme prévu. Donc, hop, on va récupérer le cobble et je vais essayer de me défaire de quelques objets au fur et à mesure, histoire de ne pas tout me traîner, parce que ça risque d'être problématique. Et puis bon, le sable on s'en fout un peu, d'ailleurs je vais le jeter, c'est vrai que ça me sert à rien. Le sable je pourrais le récolter, évidemment. Hop là, voilà, le sable je pourrais le récolter au fur et à mesure. Viens par là toi. Donc je disais, le sable, je pourrais le récolter au fur et à mesure pour pouvoir me construire des petites tours, enfin m'en servir, comme je l'avais dit l'autre fois, comme ascenseur, pour pouvoir descendre des tours, tant pis. De toute façon, du sable, il y en a partout, il y en a partout, partout, partout. J'espère qu'on va découvrir quelques endroits assez intéressants. Ça serait pas mal. Peut-être voir le temps qui passe aussi, ce serait pas mal non plus. Nous en sommes déjà à 9 minutes. Et... mes petits amis. Voilà, voilà. C'est pas évident dans l'eau. C'est un peu lent. Enfin bon, ça lag un peu aussi. C'est la fête. Je réduis un petit peu. Ça le fait pas du tout, mais bon. Les champignons, je m'en fous. Hop. Donc voilà, en fait, une petite vidéo que je vous explique un petit peu ce qui se passe dans ma vie. Histoire de meubler, notamment. Donc une petite vidéo juste avant d'aller en répète.
Parce que je suis musicien, chanteur, guitariste, quelques autres trucs, mais d'autres instruments en apprentissage, tout ça. Donc oui, je suis chanteur, guitariste, notamment compositeur, auteur, enfin auteur, compositeur, c'est mieux. Et donc voilà, petite répète aujourd'hui, normalement c'est le mardi, mais ça a été décalé. Et donc, avant de commencer, je ne vois pas pourquoi je m'attaque à lui, moi. Avant d'aller en répète plutôt, eh ben, je vous fais une petite vidéo. Normalement, j'avais prévu de faire plusieurs vidéos à la suite l'une de l'autre, comme je vous ai dit sur ma vidéo précédente, mais j'en ai pas eu l'occasion. Notamment parce que mon PC n'était pas d'accord. Alors, on est à 10 minutes, un peu plus de 10 minutes maintenant. Donc, ça nous laisse encore un petit peu le temps si le soleil le permet. Et visiblement, il ne le permettra pas. Je suis désolé, ça lag encore. Je vois d'ailleurs les FPS qui ont tendance à chuter à mort. Bon, oula, ouh, ah, mais je vais. Écoutez, ce que je vais faire, ça c'est très très bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais me creuser un petit truc ici. Voilà. Très utile. Ah, je vais me creuser un petit truc ici et demain on va aller. Non, pourquoi demain? Ah ouais, mais si, non, pendant la nuit ça n'ira pas. Voilà, effectivement, je vous aurais bien proposé d'aller voir ça pendant la nuit, mais il fait déjà noir dans ces trucs-là. Alors si en plus on y va pendant la nuit, ça va pas le faire du tout. Vous ne verrez plus rien du tout et c'est pas vraiment le but. Donc, on va se grouiller. On va fermer tout ça. J'aurais pu le faire à partir de l'achat de la terre. Voilà. Voilà, on ferme tout ça. On va peut-être creuser encore un petit peu plus loin histoire d'éviter que les creepers n'arrivent. J'entends déjà du bruit. C'est super. Donc, bon, je trouverai rien de toute façon. Comme ça, c'est bien. C'est parfait. Et étant donné qu'on est déjà à presque 13 minutes, je crois que c'est inutile d'aller se lancer dans la nuit, dans la violence de la nuit, juste pour 3 petites minutes. Même pas 3 minutes, 2 minutes. Tu ne peux plus compter, c'est génial. Donc, je crois que ça ne sert à rien de se lancer là-dedans pour 2 minutes. Donc, je vais vous laisser. Et je vous dis à cette nuit, on va dire ça comme ça. Salut, salut!